Je vous propose de retrouver maintenant Régis Maillot. Quelle nouvelle, Patrick, vous qui êtes un adepte du poker, vous avez vu hier à la télévision, le plus grand bluffeur national s'est retiré du jeu. Excusez-moi, Patrick, j'ai un appel au téléphone, c'est le président de la République. Attends. Ouais. Oui, monsieur le président. Ouais, c'est Maillot. Ouais. Maillot ! Il est un peu sourd, pardon. Oh. Il y a longtemps qu'il a des problèmes d'audition. Hein. Déjà, avec les juges, il avait des problèmes d'audition. Confondez les emplois fictifs et les emplois kiff-kiff, enfin bref, des études. Non, je disais, moi aussi, je vous kiffe, monsieur le président. Ouais, bon, on est un peu sur le choc. Hein. Patrick Bruel, ah ben, il chiale comme un môme. On se croirait à un de ses concerts. Hein ? Qu'est-ce, un dernier service ? Ah ben, aucun problème. Patrick Bruel, c'est votre chanteur préféré ? Ah, vous connaissez tous ces tubes ? Ouais, la Ziza, la Javanaise. Ah ouais, il est ravi. Bien entendu, mon président. Mes amitiés à votre dame. Bon, Patrick, au nom de l'intérêt national, après le discours d'adieu de Jacques Chirac à la France, bon, le président voudrait nous demander un service, c'est sa chanson d'adieu pour la France. Voilà, il l'a écrite spécialement pour vous. C'est un petit air que vous connaissez. Richard Lanote. Bien sûr. Vas-y, ouais. Ah, c'est celle-là. Les briquets. C'est pas la peine. Je chante ou tu chantes ? Allez-y, parce que moi, ça va être un scandale. Ah non, on le fait à deux. Hein. Ah, je suis avec vous. Voilà. Allez, on y va. Excuse-moi, Richard, on va prendre juste au mi. Au mi, hein. Alors, on va se quitter. Comme ça. Comme deux camps devant la France. D'en bas. D'en bas. D'en bas. J'ai préféré brûler les archives de l'Élysée. On va pas en faire tout un cas. D'une caisse de Corona. À vous. Mais je trouve plus les clés de la caisse noire. Les déménageurs arrivent ce soir. Je retourne en Corrèze. Dans ma Citroën. Je ferme. Je voulais quand même vous dire merci. Vas-y. 12 ans chauffé, nourri, blanchi. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les soutiens pas. Comme le dit Bernadette, ils changeront la moquette. Mais je trouve plus les clés de la caisse noire. Ils veulent tous dormir dans mon plumard. Bayrou, Sarkozy et même Ségolène. Je ferme. Ils veulent tous dormir au fond de mon plumard. Pour moi, c'est fini. Je retourne en Corrèze. Je ferme. Bravo! Bravo, Régis Maillot, et merci. Merci à Patrick Bruel d'avoir joué le jeu. Et bravo, Richard Lornac. Mardi soir à Strasbourg, nous chanterons cette version. Alors, je profite pour dire...